En dépit de votre formidable accord européen conclu en août 2015, rien n'est résolu en Grèce. Comme dénoncé par le Front national, l'euro-austérité que la Troïka impose aux Grecs ne fait qu'affaiblir leur nation et rend le remboursement de leur dette publique impossible. Vous ne voulez pas admettre que c'est la zone euro tout entière qui est à l'agonie et que la Grèce n'est qu'un symptôme du cancer de la monnaie unique. Pour les patriotes, une dette est une dette. Par conséquent, une annulation partielle de la dette publique, un haircut, serait irresponsable car il équivaudrait à un défaut partiel qui mettrait le feu aux poudres des finances publiques européennes. En revanche, nous les créanciers raisonnables devons accepter un moratoire sur la dette grecque avec un rééchelonnement de la durée et des intérêts pour permettre un nouveau départ à la Grèce. Mais pour assumer ses engagements financiers, la Grèce doit bénéficier de trois conditions fondamentales. Sa souveraineté monétaire en sortant de la zone euro afin de monétiser partiellement sa dette grâce à sa banque nationale. Deux, le règlement des 162 milliards d'euros de la créance historique grecque par l'Allemagne en réparation financière de guerre. Et trois, stopper vos plans migratoires européens dont souffrent les Grecs. Ainsi, nous éviterons collectivement une crise humanitaire et un crime économique dans le berceau de la démocratie. Thank you. Mr. Kitsos.